et dans mon village réparer des chaises en bois. De toute façon, il n'y a pas Didi. Mais alors. Et... Ah, quel zénie. Ah, oui. Vous m'entendez là ou pas? Ouais. On vous entend, Vermisso. Comment il fait, quoi? Ah, il a osé. Ça va être énorme. C'est Didi, ça? Je connais pas Didi. Il y a que le c'est trop bien, c'est trop frais. Et cela le fini. Tiens, pour être terre, ce ménestrel. Il y a pas un peu moins grave, Adrien, parce que là, c'est limite inaudible, quoi. Je t'emmerde. Trouvez tous donc à Mirège, cité de la bière. Aux portes des montagnes, très connu pour son nombre incalculable de brasseries et de tavernes. Sont à la bonne heure. Martin, toi t'as retrouvé effectivement Pète sa gueule depuis quelques temps. Il était parti en mission, il est revenu à Miwesh, tu l'as retrouvé dans une taverne. Ah, Pète sa gueule, qu'il est bien aise de voir votre vilaine trogne. Et toi, sale tafiole, comment vas-tu? Sacré Pète sa gueule, quelles bonnes aventures vous mènent sur ma route à nouveau, cher ami. On se fait un petit jeu d'argent? Bah, vous avez de quoi jouer? Ouais, j'ai de l'argent, je reviens de mission. Hein. Est-ce qu'il a l'air bourré? Autant que toi. Je me dis que c'est une bonne idée. Et donc ouais. La soirée bat son plein quand entre d'abord un orc. Tout le monde s'arrête et le toise un petit peu quand il entre. Miwesh est essentiellement peuplé d'humains et de nains. Quelle créature vilaine. Cet orc est habillé un peu comme un pouilleux, a une pelle rouillée attachée dans son dos avec un bout de ficelle. Ouais. J'ai soif. Ah mais c'est Adrien, ça? Ouais, c'est Adrien. Le tavernier te jauge un peu. Et vous avez de quoi payer? Je vais revenir. Là je tape le premier tronchon que je vois. Je vais intime de me payer un grog. À l'extérieur de la taverne ou à l'intérieur? À l'intérieur. Voilà. Martin, tu vois l'orc que se tourner droit vers toi, t'arrivais dessus d'un pas décidé. Eh bien, mon brave ami, en quoi puis-je vous aider? Et toi, Borose, paye-moi un grog. Voilà là, de bien vilaine manière. Est-ce donc ainsi que vous exprimez un noble aventurier tel que moi? Alors là, il m'énerve, il a mis trop de mots dans sa phrase, je lui fous une quiche. Ok, fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Ça pense. Bah, tu prends une quiche. Ah! À moi, regarde! Ah, on m'agresse! On en veut à ma personne! Agressez pas mes clients ou je vais devoir appeler la garde! Je me rapproche et je dégage l'orc. Pénalorc, tu te ramasses une bonne patate. À ce moment-là arrive un magicien, très bien habillé, robe de luxe, chapeau de luxe, très beau bâton. Oula, quelle auberge vous mouvementez? Je me dirige vers le comptoir. Et... Quelle auberge vous mouvementez? Une de vos meilleures shots de bière, s'il vous plaît. Vous voyez alors, vous feriez mieux de prendre exemple sur cette personne tout à fait civilisée. Eh, ton copain, il frappe fort pour un porose, je respecte ça. Qu'il me paye donc un grog. Il est vrai que sa force a d'égal que sa sottise, mais... Entre alors dans cette auberge un prêtre. Vous voyez qu'il a une soutane, mais par-dessus une armure, avec une énorme masse dans le dos. Vous voyez qu'il porte à la ceinture et aussi une fourchette. Il a l'air d'être comme une relique un peu. Quoi. Un prince de la fourchette. Je comptoir et je dis « Hola mon brave, vendez-vous de merguez ?» Merguez. Oui, je cherche à acheter des merguez pour prier ma divinité. Ah bah, faut aller voir ça avec un boucher là, moi. Quoi, vous plaisantez? Vous rigolez avec moi? On allait faire de l'agneau ce soir. Ok, Mais là, les bouchers sont fermés, hein. Va falloir y aller demain maintenant, monsieur. Ah merde. Bon, bah du coup, je m'assois et je commence à prier. Ah, je peux vous servir quelque chose quand même ou... Non, je suis juste là pour manger et prier. Bah quelque chose à manger dans ce cas. Oui, avez-vous de la viande? Oui, bah je vous sers ça, une assiette. Entre à ce moment-là, un mage, hein, vous le reconnaissez tout de suite, pareil, en robe de sorcier. Toi t'as une poêle à la ceinture, c'est ça? Ouais, j'ai une poêle. Très bien, bah tu entres aussi également dans cette taverne. Alors pour info, j'ai des boutons.
sur la gueule, j'ai des lunettes dégueulasses, j'ai la bonne tête de l'étudiant geek magicien. C'est parfait. Ça sent l'air frais là-dedans. Je vais enfin trouver des nouveaux copains, des nouveaux aventuriers pour partir à l'aventure. Vous êtes majeur, vous ? Bonjour à vous, noble aventurier. Je suis Yorgolord. Je cherche une équipe d'aventuriers pour me prendre en stage. C'est te battre, moi, Dragalé. Je sais me battre. Je suis le grand Yorgolord. Grand magicien. Prouve-le. Prouve-le. Vous souhaitez voir ma magie ? Et là, je fais bouger mon bâton et je condense toutes les bières qui sont autour de moi en les relevant, en faisant sortir en fait les bières pour les transformer en nuages. Vous voyez ce mage qui fait tournoyer son bâton et à ce moment-là, dans un rayon d'à peu près 5 mètres autour de lui, toutes les bières se relèvent en fait et forment un nuage. T'entends tout le monde gueuler autour. Hey, « Eh ma bière, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Qu'est-ce qui se passe ?»« Arrêtez-le !» Moi je le bois et moi je rigole. C'est un sorcier. Est-ce que quelqu'un a du bois pour le faire brûler?